Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h51, Le Monde dans votre radio, ce sont les chroniques du monde comme tous les soirs. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Laurent. On part ce soir d'abord à la découverte des marieuses chinoises. C'est un très gros sujet évidemment là-bas, parce qu'en Chine, les hommes célibataires sont légions. Quand on dit légion, c'est millions, voire dizaines de millions. C'est une des conséquences évidemment de la politique de l'enfant unique. Exactement, cette politique de limitation des naissances qui était en place depuis 1979 sous Deng Xiaoping. Il fallait éviter, vous savez, l'explosion des populations rurales qui risquaient d'envahir toutes ces villes côtières de l'Est de la Chine et de menacer le développement économique du pays. Et dans le même temps, les Chinois considéraient qu'il fallait mieux avoir un garçon qu'une fille, surtout à la campagne, pour la main d'œuvre. Et puis, je simplifie évidemment, mais une fille, il fallait la caser alors qu'un garçon allait prendre soin de ses vieux parents. Et donc, pendant des décennies en Chine, il y a eu des pratiques terribles, des stérilisations forcées ou encore des avortements sélectifs. Il existait même des échographes ambulants qui passaient dans les villages pour voir si les grossesses annonçaient un garçon ou une fille et donc si elles seraient menées à terme. Résultat, déficit de femmes. Exactement. D'après les estimations officielles, en 2020, ces messieurs seront 15 millions entre 35 et 59 ans, toujours sur le carreau célibataire. Et la Chine estime que c'est un souci, source d'instabilité. Et donc le parti unique au pouvoir a décidé de s'attaquer au problème du mariage, entre guillemets. Et depuis l'an dernier, ils jouent les entremetteurs. Mais alors évidemment, à très grande échelle, c'est le parti communiste chinois, ce sont les ligues des jeunes communistes qui se chargent d'organiser les rassemblements. Mieux que n'importe quelle agence matrimoniale ou site de rencontre, le parti communiste peut atteindre facilement ses dizaines de millions de membres, avec l'assurance, disent-ils, pour ces messieurs de ne pas dépenser d'argent inutilement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se marier. Mais voilà, il y a une pression de la société, des familles qui est terrible sur les jeunes chinois et paradoxalement sur les femmes en particulier. De trouver un mari et avoir un ou deux enfants, puisque depuis 2 ans en Chine, on a le droit d'avoir un second enfant, ça n'est pas une option. Et là encore, l'État s'en mêle. Depuis 10 ans, les femmes qui privilégient leurs études sur le mariage sont stigmatisées. Un nouveau terme a été créé pour les désigner, ce sont les shengnu, ce qui signifie en gros les laissés pour compte, quasi périmés, vous voyez. Et selon la Fédération des femmes, qui est un organe officiel bien sûr, on commence à être shengnu à 27 ans. Après, on a un problème d'âge. L'obsolescence programmée, ça commence tout en Chine, hein ? C'est ça. Décidément. Des tribulations des célibataires chinois aux mésaventures sentimentales du nouveau patron de UKIP maintenant. Vous savez, UKIP, c'est ce parti britannique très anti-européen qui avait fait campagne pour le Brexit. Eh bien, la victoire ne lui a pas porté bonheur puisque ses dirigeants enchaînent les mésaventures. On va rejoindre à Londres pour Europe 1 Anaïs Cordoba. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. On en est déjà au troisième patron de UKIP en 18 mois et le dernier est empêtré dans un invraisemblable scandale conjugal. Oui, c'est ça. Henry Bolton, qui a 54 ans, risque son poste à cause de sa nouvelle compagne. Jo Marnie a 25 ans. Elle se décrit comme mannequin, actrice, journaliste musicale et brexiteur convaincu. Et c'est elle qui a mis le feu aux poudres avec des messages racistes révélés ces jours-ci par la presse qui visent Meghan Markle. Vous savez, c'est la fiancée du prince Harry. Ils vont se marier en mai prochain. Meghan Markle va souiller notre famille royale avec sa semence, écrit carrément Jo Marnie, qui ajoute « Il y aura ensuite un premier ministre musulman, un roi noir, c'est le Royaume-Uni, pas l'Afrique. » Vous l'imaginez, ces messages ne passent pas du tout. Oui, j'imagine que même à UKIP, ça a provoqué des remous. Oui, Jo Marnie a été immédiatement suspendu du parti. Déjà, sa liaison avec le leader de UKIP était sous le coup d'une enquête du parti. Pour ses beaux yeux, Henry Bolton a délaissé son épouse et ses 2 enfants pendant les fêtes de Noël. Ça avait fait la une des tabloïds quelques semaines plus tôt. Les autres dirigeants du parti se sont donc saisis du scandale de ces messages racistes pour réclamer la démission d'Henry Bolton. La polémique a enflé tout le week-end, mais pour l'instant, le leader résiste. Et visiblement, il tient à son poste plus qu'à son nouvel amour, car il a annoncé ce matin à la télé anglaise qu'il quittait sa jeune compagne, jugeant ses propos indéfendables. Oui, l'élégance, c'est pas toujours jusqu'au britannique. Oui, c'est ça, jusqu'au bout. Merci beaucoup Anaïs Cordoba, donc à Londres pour Europe 1. Merci aussi Sophie Larmoyer pour ce voyage en Chine.